T'as la manette et tout, la manette, je crois que ça vaut 10 20 euros. Donc ça se remet à 40 euros. C'est une manette générique. Hein ? C'est pas une manette générique. C'est une manette générique. Ouais. Ouais, on en prend tout le temps. 80 euros. Oh, bah, je vois bien. Bonjour, vous voulez faire combien les cartes? Je sais pas, je regarde. C'est laquelle boîte c'est? Celle qui est la plus peine. Il y en a à 50 centimes là, donc. Et comme ça, vous les faites combien aussi? Tu l'as pris où celui-là? Là. Je vais faire 10. Oh, t'as vu Playmobil là? Ouais. Non, je vais prendre le carnet. Les petits personnages là. C'est dingue que ce soit pas. Ça aussi? Non. Ceux-là sont un peu plus chers. Les Spider-Man sont plus rares. D'accord. Je vais prendre ceux-là. Le Mario Kart, c'est quoi? C'est un flash de visite. C'est un flash de visite. Tu serais déçu. Un circuit. Mais ils se chargent aussi de. C'est pour bricoler. D'accord, ouais, d'accord. C'est pour bricoler. C'est pas la peine. Je vais prendre ces trois-là. Regarde. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming. Je vais vous présenter tous mes achats. Donc là il y a pas mal de gaming, du rétro, que du rétro. On va commencer par le jeu Game Boy. Alors pour commencer j'ai un Speedy Gonzales sur Game Boy. Ça a pris un petit peu la poussière quand je nettoie un petit peu. Voilà, en bon état. Donc ça m'a coûté 5€ la cartouche. Alors les autres c'est que des Game Boy Advance. J'ai un Spyro. C'est Spyro A New Beginning. Et ensuite j'ai un. Ensuite j'ai un Pole Express. Je l'ai aussi sur la GameCube. J'ai Cars. Donc ouais ça, j'ai 5 cartouches, j'ai payé 30€ de tout. Il m'a arrondi hein, parce que bon, au début les Game Boy Advance c'était plus vers 7€ la cartouche. J'ai un Bomberman, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur là dans mon lot. Très bon état. Et j'ai le Hobbit. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé un petit magazine Pokémon à 50 centimes. Bon, il est un petit peu abîmé ici, mais bon, pour 50 centimes, ça va, c'est juste une petite rayure, quoi. C'est pas déchiré, déchiré. Dedans, il est en très bon état. Hop. Et aussi, j'ai trouvé du jeu PS2. Un petit Rayman. Donc, je pense que je l'avais déjà. Quand je regarde, mais. Il est complet. Et aussi, au même stand, j'ai eu sur PS2 la créature du crabe croustillant, Bob l'éponge. J'ai un Bob l'éponge, mais c'est pas le même. Bah, ça va m'en faire deux. Lui aussi, il complet. J'ai eu les deux jeux PS2, je les ai eu à 5€ les deux au lieu de 6. Ensuite, j'ai trouvé quelques petites figurines. Ça, c'est dans les Looney Tunes et dans Disney un petit Pinocchio, voilà, parce que bah, ma mère elle s'était pris des figurines Astérix tout ça, donc, bon, moi j'ai pris ça, c'était vraiment pas cher dans le temps, donc, voilà. Après pour ce qui est des jeux Game Boy, bah, que ce soit Game Boy ou Game Boy Advance comme ça là, je mets pas plus de 5€ hein, voilà, ça, j'y joue pas beaucoup, j'ai pas le temps, moi je suis plus sur la Switch, la PS4. En fait, je suis plus sur les consoles actuelles. Quoi. Si vous voulez suivre mes let's play et mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à mettre des pouces.
Voilà, c'est tout pour ce compte rendu. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Salut tout le monde !